Cette semaine, si on ne l'avait pas créée, il fallait l'inventer, il fallait la créer. Ces dernières années, la plupart des pays africains ont créé ces cadres-là. Et il le faut régulièrement pour informer, sensibiliser leur grand public sur les avantages du numérique, mais sur les menaces et les inconvénients aussi du numérique. J'ai visité quelques stands. Je crois que vraiment, on est en train d'évoluer dans le sens de la technologie. C'est vraiment impressionnant. Est-ce qu'on a apporté à la semaine du numérique, comme tu peux voir tout autour, tous nos stands sont bondés. Là, on a notre activité phare qui est l'expérience VR, où tu peux visiter la mosquée de Djéné avec les casques à réalité virtuelle. Tu peux visiter la Guinée de la Parole et aussi le musée virtuel de Kabako. Et là, dans notre stand, on a notre attraction qui est la Kabako Mentor IA Bamanankan, qui est une mentor qui comprend le Bamanankan et qui parle le Bamanankan. Donc, tu peux poser toutes les questions que tu veux à Bamanankan et l'intelligence artificielle te répond en Bamanankan. Tout ce que j'ai vu m'a impressionné. C'est vraiment un sentiment que je ne pourrais pas expliquer, en fait.